Mais encore, c'est un des sentiers les sentiers avec parce que vous savez, les sentiers imaginés, ça va par rapport et il y a des gens qui sont passés. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas organisés, qui vivent pas souvent, après avoir montré des affaires en bon, il y a des gens qui sont non, pour ça va, bonsoir, monsieur Gades. Vous Oui, m'entendez? bonsoir. Oui, très bien, bonsoir. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de connexion, enfin, pour entrer à la réunion de certains des journalistes? Oui, il y a certains. Donc, je suis en train de les assister au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Donc, moi, je crois qu'on va leur accorder 10 minutes. C'est-à-dire, on va Ok, démarrer d'accord. si possible. Pas de problème. À 13 h, voilà. D'accord, c'est bon. Le temps que je puisse assister ceux qui ont des difficultés. D'accord, ben ça marche. Merci bien. Florent, s'il te plaît, tu peux couper ton micro? Ok. Merci bien. Gracias.
Allô, bienvenue, chers confrères. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît, en attendant qu'on démarre la réunion. Aimé de Dieu. Allô? Merci bien. On démarre dans 10 minutes. Le temps de permettre à nos confrères de pouvoir se connecter. Merci bien. Au début de chanson. Seigneur,
Bienvenue aux participants de la conférence de presse. Nous démarrons dans exactement 5 minutes. Merci à vous. Voilà.
Allô, M. Gadès, vous avez la parole. Hein. Il est exactement 13h10. Très bien. Merci beaucoup, M. Cissé. Alors, je voudrais tout d'abord remercier tous les représentants des médias qui sont présents aujourd'hui à cette conférence de presse, qui a un format un peu spécial puisque c'est une conférence de presse en ligne. Et donc, l'objet de notre conférence de presse, c'est un peu de présenter les activités que nous allons développer au cours des prochaines semaines et qui vont concerner ce que nous appelons la semaine de l'agritech tunisienne en Côte d'Ivoire. J'ai une courte présentation pour expliquer un peu le contexte et ensuite, vous aurez l'opportunité de poser des questions sur certains aspects de notre projet. Et à la fin de cette conférence de presse, nous allons vous envoyer un dossier de presse qui contient un communiqué de presse, plus une présentation du projet, plus d'autres éléments qui pourront vous servir pour écrire vos articles. Donc, sans plus tarder, donc, je vais commencer ma courte présentation. Je vais d'abord vous présenter le projet Agritech Tunisia, ce que c'est, quels sont ses objectifs et pourquoi nous le faisons. Ensuite, je vais vous dire pourquoi on a choisi la Côte d'Ivoire pour notre projet. Ensuite, on va vous présenter les étapes qui se sont déroulées et les prochaines étapes. Et puis, on ouvrira la séance de questions-réponses. Avant de commencer, je voulais vous donner une citation du docteur Adesina, le président de la Banque africaine de développement, qui disait que si l'Afrique n'utilise pas les technologies modernes, la production de nos agriculteurs restera faible et nous continuerons à dépendre des autres pour nous nourrir. Et donc, ça, c'est un des points de départ de notre projet, c'est le fait que l'agriculture africaine, qui est un secteur stratégique et très important économiquement et socialement, nécessite de se mettre à niveau. C'est pour cela que nous avons développé le projet qui s'appelle Agritech Tunisia. C'est un projet qui est mis en œuvre par notre société, qui est Stessia International. C'est une société de conseil spécialisée dans le développement des chaînes de valeur agricole et qui opère aujourd'hui dans une trentaine de pays, notamment plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Ce projet Agritech Tunisia est appuyé par un programme en Tunisie qui s'appelle Innovi. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par Expertise France. Et ce programme Innovi, c'est un programme d'appui à l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Tunisie. Donc, ce projet que nous mettons en œuvre actuellement a des partenaires financiers qui sont l'Union européenne et le programme Innovi. Donc, quels sont les objectifs, les principaux objectifs du projet Agritech Tunisia? C'est trois objectifs. Donc, le premier, c'est de contribuer à développer la notoriété de la Tunisie en tant que source de solutions technologiques dans le secteur de l'agritech, donc des solutions de qualité, et donc vise les pays de l'Afrique en général et dans notre cas particulier de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le deuxième objectif, c'est de lancer une dynamique pérenne de partenariat dans le secteur de l'agritech entre la Tunisie et l'Afrique de l'Ouest. Et le troisième objectif qui nous concerne directement aujourd'hui, c'est l'appui de 6 startups tunisiennes de l'agritech et de 50 entreprises agricoles et agro-industrielles ivoiriennes pour bâtir des partenariats durables entre elles, entre les 6 tunisiennes et les 50 ivoiriennes. Alors, peut-être que votre première question, c'est de dire qu'est-ce que l'agritech? Alors, l'agritech, ce sont des technologies digitales qui permettent de produire plus et mieux avec moins de ressources. Tout cela par une utilisation importante des données numériques, le big data, pour prendre des décisions. Donc, c'est la digitalisation de l'agriculture pour améliorer la compétitivité, améliorer la productivité, tout en optimisant la gestion des ressources naturelles. C'est pour ça qu'on dit que ces technologies permettent de produire plus, donc plus de production,
permettre de produire mieux, c'est-à-dire des produits de meilleure qualité, avec moins, avec l'utilisation de moins de ressources, d'eau, d'énergie, de sol, etc. Alors, il y a différentes catégories d'agritech. Donc, c'est juste pour vous donner une idée sur ce que représente ce type de technologie. Donc, il y a des solutions qui permettent d'intervenir sur les ressources, c'est-à-dire mieux gérer les ressources agricoles, la gestion intelligente de l'eau, par exemple, pour utiliser la moitié de l'eau et obtenir plus de rendement, la gestion des sols, la gestion des troupeaux, etc. Il y a d'autres technologies qui permettent d'intervenir sur la production pour mieux comprendre sa production. Par exemple, c'est vraiment des exemples parce qu'il y a des centaines de solutions différentes. Par exemple, détecter des maladies des plantes ou des parasites, faire des traitements avec des drones qui soient ultra localisés au lieu de traiter toute la parcelle, traiter juste la partie liée à la maladie, faire des estimations de rendement avec des robots, des logiciels de gestion, etc. Ou bien produire en hors-sol. Vous avez peut-être entendu parler de l'agriculture verticale ou de l'hydroponie. Tout ça, c'est des technologies d'agritech. Et l'autre aspect, qui est la commercialisation, distribution, c'est des solutions qui permettent d'assurer la qualité, la traçabilité des produits, qui permettent de distribuer en circuit court, de commercialiser des produits intelligemment, comme les plateformes de commerce électronique, par exemple. Mais il y a aussi d'autres types de solutions qui permettent d'avoir l'accès au financement, d'avoir l'accès aux assurances, etc. Donc, tout ce monde-là, c'est ce qu'on appelle l'agritech. Alors, pourquoi nous avons choisi ça? Donc, notre projet Agritech Tunisia, on est à sa deuxième étape. La première étape qu'on a mise en œuvre, c'était l'étape sénégalaise. On a fait une activité au mois de mars dernier à Dakar. On a fait ce qu'on a appelé la semaine de l'agritech tunisienne au Sénégal et qui s'est très, très bien passée avec des résultats positifs pour les entreprises tunisiennes, mais surtout pour les entreprises sénégalaises qui ont commencé à travailler avec leurs partenaires tunisiens. Il y a eu aussi des liens qui ont été noués entre les écosystèmes et il y a des choses qui se préparent pour les prochaines semaines, vraiment pour développer des partenariats entre la Tunisie et le Sénégal dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi nous avons choisi pour la deuxième étape la Côte d'Ivoire? C'est très simple, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays très important économiquement en Afrique de l'Ouest. C'est la première économie de l'Union noire. La Côte d'Ivoire a une position stratégique qui en fait un hub commercial régional vers les pays voisins de l'Interland, comme le Mali ou le Burkina. C'est un pays qui connaît une forte croissance, donc 7% de croissance en moyenne par an. C'est un acteur majeur au niveau mondial pour de nombreuses productions agricoles, comme le cacao, l'anacarde, l'EVA, le coton, l'huile de palme, les bananes, et j'en oublie beaucoup. C'est un pays qui connaît une transformation, une modernisation de son secteur agricole. C'est un pays aussi qui a des infrastructures de qualité, en commençant par le port d'Abidjan, l'aéroport d'Abidjan, les routes, les autoroutes, etc. C'est un pays qui est politiquement stable. Il n'y a pas de barrière de langue, c'est-à-dire que la Tunisie, pratiquement tout le monde parle français. En Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens parlent et comprennent le français, donc il n'y a pas de barrière de langue. Il y a aussi un historique de liens très forts entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire depuis les années 60, depuis les indépendances, et les présidents Bourguiba et Oufouet Boni. Et enfin, un élément à ne pas négliger, c'est le fait qu'il y a plusieurs vols directs par semaine entre Tunis et Abidjan. Donc, c'est facile d'aller à Abidjan et c'est facile de venir à Tunis. Ces éléments-là ont fait qu'on a choisi pour la deuxième étape la Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont aujourd'hui les contraintes que rencontre l'agriculture ivoirienne? Premier point, c'est la réduction des terres cultivables réellement disponibles et aménagées. Donc, l'accès à la terre devient de plus en plus difficile. Il y a l'effet du changement climatique, comme les variations de la pluviométrie, la dégradation des ressources naturelles. Et pour les exportateurs, les exportations qui sont de plus en plus soumises à la forte instabilité des cours mondiaux et aux normes phytosanitaires. Un autre aspect aussi, c'est le fait que la population ivoirienne est en croissance.
quasi linéaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 27 millions d'Ivoiriens, mais les prévisions estiment que la population va plus que doubler d'ici 2050, c'est-à-dire demain, dans moins de 30 ans. Sachant que les superficies agricoles ne sont pas extensibles et que déjà aujourd'hui il y a des problèmes d'accès à la terre, donc il y a de vraies contraintes. Et si les rendements agricoles restent au niveau actuel, la production ne pourra plus répondre aux besoins de la population ivoirienne d'ici quelques années. Donc ça, c'est des contraintes qui existent aujourd'hui et que les solutions de l'agritech permettraient de résoudre. On ne va pas dire résoudre tous les problèmes, mais contribuer à résoudre ce type de problèmes. Alors, je reviens maintenant à notre projet Agritech tunisien pour dire où est-ce qu'on en est. Donc, c'est un projet qui a commencé au mois d'avril 2021 et qui se termine au mois de décembre prochain, 2022. Donc, il y a deux phases dans ce projet. La première phase a été achevée. A permis de sélectionner 5 entreprises technologiques tunisiennes pour participer à la phase du projet au Sénégal. On les a sélectionnées au mois d'octobre dernier, octobre 2021. Ensuite, nous avons sélectionné 40 partenaires sénégalais du secteur agricole, c'est-à-dire c'est des grandes entreprises agricoles, des start-up du secteur de l'agriculture, des distributeurs d'équipements, etc. L'organisation d'une semaine de l'agritech tunisienne au Sénégal qui s'est déroulée au mois de mars 2022, comme précédemment. Et à la fin de cette phase, nous avons entamé la deuxième phase qui concernait la Côte d'Ivoire. Donc là, on a fait une sélection de 6 entreprises technologiques tunisiennes pour participer à la phase du projet en Côte d'Ivoire. Donc on a terminé ça le mois dernier, au mois de juillet. Et à partir d'aujourd'hui, nous lançons un appel à candidature pour sélectionner 50 entreprises agricoles et agro-industrielles ivoiriennes. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir sur le site du projet agritech-tech-tunisia.tn, la page de l'inscription pour les entreprises ivoiriennes est ouverte. Et on est en plein préparatif de la semaine de l'agritech tunisienne en Côte d'Ivoire qui va se dérouler du 21 au 25 novembre prochain. Donc, comment nous allons sélectionner les 50 entreprises ivoiriennes qui vont bénéficier de notre programme? Donc, on a un certain nombre de critères qui sont très simples. Donc, premier critère, c'est que ça doit être des entreprises qui soient actives dans le secteur de l'agriculture ou de l'agroalimentaire ou de l'agro-industrie, qu'elles soient en phase de mise à niveau pour améliorer la productivité et améliorer leur performance économique et environnementale. Et elles doivent s'inscrire sur notre plateforme, uniquement donc sur la plateforme. On ne reçoit pas les inscriptions par email ou par courrier, avant le 15 octobre à 2022 à midi. Donc, vous avez l'adresse ici de la plateforme d'inscription qui est agri-tech.tn/inscription. Alors, quel est le profil des entreprises ivoiriennes que nous souhaitons avoir dans notre programme? C'est d'abord les grands et moyens agriculteurs, les fermes commerciales, les grandes entreprises exportatrices de grande taille, les coopératives agricoles, des prestataires privés de services agricoles, les agro-industriels travaillant avec des agriculteurs sous contrat, les importateurs et distributeurs de matériel d'équipement agricole et les intégrateurs de solutions TIC. Et donc, je vous donne brièvement quelques mots sur la semaine de l'agritech tunisienne qu'on va organiser à Abidjan du 21 au 25 novembre. Donc, on va organiser une journée de rencontres B2B entre les entreprises tunisiennes et les entreprises ivoiriennes. Et puis, nous allons organiser une série d'événements. Donc, c'est des conférences sur la digitalisation avec des partenaires ivoiriens. Rencontres avec des acteurs institutionnels, des acteurs privés qui sont impliqués dans la transformation de l'agriculture ivoirienne, etc. Des visites d'entreprises, etc., avec le but vraiment de la délégation tunisienne qui va venir de comprendre un peu plus l'environnement ivoirien et pour la partie ivoirienne de comprendre l'offre technologique tunisienne dans le secteur de l'agriculture. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc vous avez ici les liens de notre site web et les liens des pages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez visiter pour suivre les activités qui vont se dérouler au cours des prochaines semaines.
Alors, juste pour vous donner une primeur, c'est que après demain, jeudi, nous allons organiser un webinaire avec une centaine de participants ivoiriens sur la digitalisation de l'agriculture ivoirienne, où on va montrer un peu quel est l'intérêt de la Côte d'Ivoire d'intégrer de plus en plus. Il y a un programme qui vise la digitalisation. Quel est vraiment l'apport que pourrait apporter la digitalisation de l'agriculture et les solutions agricoles pour la Côte d'Ivoire pour devenir un acteur encore plus important dans le monde de l'agriculture et dans le monde du commerce international. Merci pour votre attention. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. 85 825 Allô, merci. Oui. Merci beaucoup. Je vais juste demander aux confrères de couper leur caméra pour certains et d'autres couper leur micro également. Parce que ça crée des interférences. Exactement. Donc, ceux qui voudraient poser des questions, il suffit juste de lever la main sur l'écran. Voilà. Comme ça, on vous donnera, Monsieur Cité vous donnera la parole les uns après les autres. Allô, bonsoir, chers confrères. Vous avez la parole est ouverte. Monsieur Gadas vient de finir son intervention. Vous avez la latitude de lui poser les questions relatives différentes à son intervention. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, on a aimé de Dieu. Allez-y. Il est de Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue. Vous avez la parole, monsieur aimé de Dieu. Votre micro est coupé, monsieur aimé. Ouvrez votre micro. Allô? Oui, on vous entend bien. Si j'ai bien noté, c'est en novembre prochain. Alors, est-ce qu'on peut savoir le lieu exact? Et puis, vous avez parlé de participants. Combien de participants attendez-vous pour cet événement ici à Abidjan? D'accord. Alors, l'événement B2B qu'on organise va se passer à l'hôtel au Sofitel. Et les autres, on est en train de préparer les autres événements, la conférence, etc. Pour la rencontre des rencontres B2B, donc on s'attend à 50 entreprises ivoiriennes. Et pour les autres événements, donc on s'attend à entre 50 et 100 par événement que nous allons organiser. Allô, monsieur Gadas, c'est bon ou... Oui, c'est bon. Je crois que j'ai répondu. Je ne sais pas si c'est bon, monsieur. Alors, je vais retourner vers le confrère. Monsieur Amé de Dieu. Allô? Vous avez d'autres questions relatives à l'activité ou un autre confrère qui souhaite intervenir? Là, nous avons Bénin Dissou, Jacques, qui souhaite prendre la parole et ensuite ça sera Monsieur Kodjo. Donc déjà, Monsieur Bénin Dissou peut prendre la parole. Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Bonjour et merci beaucoup pour ce partage donc d'informations. Vous avez parlé de la semaine qui aura lieu en novembre du 21-25. Excusez-moi, monsieur Bénin, vous pouvez vous présenter votre média et tout, présenter s'il vous plaît avant de poser votre question. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Je suis Dissou Jacques. Je suis originaire du Bénin. Je suis promoteur du groupe de presse La Plume Verte, spécialisé dans la promotion de l'agriculture ici au Bénin. Bienvenue. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Donc, je posais la question donc de savoir quelles seraient les conditions de participation. Vous avez parlé de 50 entreprises ou les autres activités, 50 à 100.
personnes attendues, quelles seraient les conditions de participation? Est-ce qu'il faut exclusivement être ivoirien avant d'avoir la chance de participer donc, à ces événements-là? D'accord. Merci beaucoup pour, pour votre question. Je vais répondre d'abord à la deuxième question. Non, ce n'est pas exclusivement réservé aux Ivoiriens, mais de par le fait qu'on l'organise à Abidjan, je pense qu'on aura presque exclusivement des Ivoiriens. Mais la porte est ouverte aussi à d'autres entreprises qui sont de d'autres régions, d'autres pays, pardon, de participer. Parce que, comme j'ai dit, l'objet de notre projet Agritech Tunisia, c'est de travailler sur l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Donc, nous avons fait les deux premières phases de notre projet qui concernaient le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais nous sommes en discussion avec des partenaires pour organiser d'autres éditions d'Agritech Tunisia vers d'autres pays, et j'espère le Bénin, le Togo et puis d'autres pays de la sous-région. Alors, les conditions pour participer à Agritech Tunisia, donc comme j'ai dit, on a créé une plateforme pour l'inscription. Donc, les entreprises et les organisations qui sont intéressées à participer à notre événement doivent s'inscrire sur la plateforme, et donc elles seront invitées le moment venu pour participer aux événements qui vont avoir lieu à Abidjan. D'accord, ok. Donc, merci beaucoup. On espère que cette belle initiative puisse vraiment avoir la chance hein, de se répéter au Bénin. Vous serez les bienvenus parce que l'agriculture c'est ce qu'on espère. A besoin également de booster un peu avec le numérique pour vraiment un essor vraiment de cette agriculture-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir, cher confrère. Excusez-moi, attendez d'abord, avant qu'on vous donne la parole. Là, il y a quatre personnes qui souhaitent poser leurs questions. Donc, ce qu'on va faire, monsieur, on va prendre note. Monsieur Gadas, qu'est-ce que vous proposez? Ils vont poser les questions au fur et à mesure ou on... Oui, je pense que c'est mieux pour que je n'oublie pas de répondre à tes questions. Ok, d'accord. Donc, on va faire ainsi. Donc, allez-y. Monsieur Kodjo, voilà. Ensuite, ça sera Monsieur Issou Kamagaté, Isaac Cromwell et bon. Voilà, Monsieur Kodjo, allez-y. Merci. Ok, merci pour la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Simon Apagana, je suis journaliste à AgriDigital. Merci à Monsieur Wallis Gadas pour votre présentation. J'ai une question par rapport à l'organisation de la semaine Agritech. Alors, l'édition passée s'est tenue au Sénégal. J'aimerais savoir quels sont les résultats que vous avez obtenus. Est-ce que ces résultats ont été capitalisés et comment vous comptez se baser sur l'expérience du Sénégal pour pouvoir traduire ou bien mener cette nouvelle expérience en Côte d'Ivoire? Bienvenue, Monsieur Kodjo. Merci beaucoup pour cette question. Donc, la première édition s'est vraiment très, très bien passée dans le sens où l'ensemble des participants tunisiens, des startups de l'agritech tunisienne, sont revenus avec soit des contrats, soit des partenariats avec des entreprises sénégalaises. Et du côté sénégalais aussi, le retour que nous avons et que nous recevons tous les jours, c'est que les solutions proposées par les entreprises tunisiennes sont de très haut niveau et permettent de vraiment changer la donne. Par exemple, quand on était à Dakar, nous avons rencontré plusieurs entreprises qui cherchaient des solutions, qui ont été voir dans d'autres pays, je ne veux pas citer les autres pays, qui ont acheté des solutions, mais c'est des solutions qui ne marchaient pas. Donc, elles se retrouvaient à marcher au ralenti, alors qu'avec la solution qu'ils ont commencé à mettre en place des startups tunisiennes, ça a transformé leur vie parce que elles sont, c'est pas des solutions qui sont en phase d'essai de développement. Non, c'est des solutions qui sont
actuellement en place en Tunisie. Certaines d'entre elles, certaines des startups ont commencé depuis quelques années à travailler sur la Côte d'Ivoire ou sur la Guinée ou sur le Mali ou sur le Sénégal. Donc, c'est des solutions qui sont déjà mises en œuvre. Et donc, c'est des solutions qui sont extrêmement innovantes et qui sont très performantes, avec des coûts qui sont très compétitifs, parce que le coût de la de l'ingénieur tunisien est très inférieur au coût d'un ingénieur aux États-Unis ou en Europe. Ça permet d'avoir des solutions d'un niveau mondial, mais à un coût africain. Voilà. Ok, merci. Merci plein. Merci à vous. Merci à vous. On va de ce pas donner la parole à M. Isaac Romain du journal Expression. Vous avez la parole, M. Isaac Romain. Veuillez ouvrir votre micro, M. Isaac Romain. En attendant que M. Isaac Romain pose sa question, on va de ce pas passer à M. Ngoran François Nguessan, qui a la parole. Bonsoir, cher Isaac Romain, c'est bon? Allô, vous m'entendez? Oui. Ok, allez-y, M. Isaac Romain, allez-y. Allez-y. Oui, bonjour, M. Gazan. Excusez-nous, bonjour, monsieur. Allez-y. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous proposez, à travers cette semaine-là, vous comptez proposer des solutions justement pour augmenter ou contribuer à résoudre les problèmes de rendement auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Alors, je veux savoir, est-ce que vous avez pensé à mettre l'accent sur la culture de rente, je parle du café, du cacao, de l'EVA, ou bien c'est l'agriculture avec les produits de grande consommation. Parce que avec la conjoncture mondiale, avec l'inflation et tout, le problème qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la cherté de certaines denrées alimentaires. Alors, est-ce que vous allez mettre l'accent justement sur cette denrée-là de grande consommation ou bien ce sera les cultures de rente telles que le café, le cacao et autres cultures d'exploitation? Merci. Merci beaucoup pour cette question. En fait, nous visons les deux. Nous visons les entreprises de l'agro-industrie, donc des cultures de rente, comme vous avez dit, cacao, café, EVA, etc., qui travaillent eux-mêmes avec des milliers ou des dizaines de milliers de petits producteurs. Et nous visons aussi directement les petits producteurs, mais à travers les programmes de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure les coopératives, c'est en fait les coopératives à travers des programmes qui existent aujourd'hui et qui cherchent des solutions justement pour améliorer la compétitivité de ces petits producteurs qui souffrent, comme vous avez dit, de la cherté de l'engrais qui a été multiplié par 3 ou 4 en un an. Et des différents intrants. Donc, l'idée, c'est de n'exclure personne parce que ces solutions concernent tous les types d'agriculteurs. Merci beaucoup, M. Gadas. Merci à vous. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Nous allons à présent donner la parole à M. Issouf Kamagaté. Et autant pour moi, M. Ngoran François Nguessan, qui a la parole. Ok, ensuite, merci, cher confrère. Je suis François Nguessan de ivoiretv.net et premier vice-président du réseau des journalistes
spécialiste de l'agriculture CDAO. Bienvenue. Je voudrais d'abord vous dire merci pour nous avoir donné cette occasion. La question que je voudrais poser, c'est vrai, le confrère vient de poser une partie, mais je voudrais savoir quelles ont été les démarches menées de sorte à ce que les entreprises agricoles de l'intérieur du pays, moi je vis à Boaké, quelles ont été les démarches menées de sorte à ce que ces entreprises-là puissent s'intéresser à l'événement phare, je dirais, de l'année? Dans notre démarche, donc, comme j'ai dit, c'est une démarche inclusive. On ne cherche pas que des entreprises basées à Abidjan. Après avoir reçu les candidatures donc des entreprises et des organisations professionnelles qui sont intéressées par notre semaine de l'agriculture tunisienne en Côte d'Ivoire, nous allons sélectionner les 50. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui viennent des régions du nord de la Côte d'Ivoire ou même de l'est de la Côte d'Ivoire et qui sont intéressées par ce type de technologie. D'accord. OK. Merci, M. Walid. Merci à vous. Alors, nous allons à présent donner la parole à M. Issouf Kamagaté. Bonjour, M. Gada. Bonjour, bienvenue. J'ai pris un peu le train en marche, je n'ai pas pu suivre le début, compte tenu des problèmes techniques. J'aimerais savoir, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'objectif général, c'est de travailler sur l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et quelle sera au juste la finalité? C'est-à-dire que créer des champions nationaux ou arriver à installer vous-même votre base dans cette zone-là pour travailler en un partenariat avec les entreprises ivoiriennes, quelle sera juste la finalité? Alors, en fait, il y a plusieurs types de partenariats que nous visons à développer par cette activité, par ce projet Agritech Tunisia. Le premier dont on a beaucoup parlé, qui est le partenariat entre les entreprises technologique tunisienne et, entre guillemets, leurs clients ivoiriens, qui sont les entreprises agricoles ou agro-industrielles. Un deuxième type de partenariat que nous visons, c'est des partenariats entre les sociétés de l'agritech tunisienne avec leurs homologues ivoiriennes, de l'agritech ivoirienne. C'est ce que nous avons fait au Sénégal, par exemple, c'est mettre en relation ces deux expertises pour qu'elles puissent travailler ensemble et proposer des solutions ensemble vers le reste du monde. D'ailleurs, il y a un partenariat qui s'est noué entre une des entreprises tunisiennes et une entreprise de agritech sénégalaise, et on attend vraiment de voir ces deux entreprises travailler ensemble et proposer leurs solutions communes aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, mais au reste du monde. On ne se limitera pas seulement à l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce que nous cherchons, nous, Stecia et projet Agritech Tunisia, c'est vraiment de créer des passerelles entre le monde des startups et le monde de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, parce qu'on travaille depuis très longtemps dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la technologie, on se rend compte que le monde de l'agriculture est refermé sur lui-même vis-à-vis des nouvelles technologies. C'est un monde qui est assez conservateur. Et donc, le fait qu'il y ait de nouvelles technologies ne sont pas très chauds pour les essayer. Et de l'autre côté, le monde des startups qui vit un peu renfermé sur lui-même avec les concours, les compétitions et qui connaissent un peu, pas beaucoup, le monde de l'agriculture. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de lier ces deux mondes, que ce soit en Tunisie ou en Afrique de l'Ouest, pour vraiment développer de plus en plus de partenariats, parce que c'est ça qui va contribuer à développer l'agriculture de l'Afrique. Parce que, comme je l'ai dit dans ma présentation, et ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, la population africaine est prévue de doubler d'ici quelques années. Et si on dit doublement de la population, ça veut dire doublement de l'offre et de la production africaine. Sinon, on deviendra, nous, Africains, exclusivement dépendant du monde extérieur
pour nous nourrir, comme l'a dit le président de l'ABAD. On veut aller dans ce sens-là, d'aider les différents pays africains à intégrer les technologies pour améliorer la productivité du secteur agricole et faire en sorte que notre continent reste, produise ce qui va être consommé sur son territoire. Donc, plusieurs types. Ah, pardon. Et le troisième type de partenariat, c'est un partenariat un peu plus institutionnel. C'est entre les écosystèmes entrepreneuriaux de la Tunisie et de l'Afrique de l'Ouest. En Tunisie, nous avons un écosystème qui est vraiment bouillonnant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a 2 ou 3 ans, il y a une nouvelle loi qui a été mise en place qui s'appelle le Startup Act. C'est une loi qui a pour objectif de développer les startups tunisiennes. Et il y a une institution qui gère ce Startup Act, qui s'appelle Smart Capital. C'est une institution de partenariat public-privé. Et cette institution et d'autres acteurs de l'écosystème veulent transmettre le savoir-faire qui a été acquis. Et d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, lors de la mission au Sénégal au mois de mars, des partenariats se sont noués entre Smart Capital et la DER, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide femmes et jeunes au Sénégal, qui s'occupe d'entrepreneuriat, et d'autres programmes. Et dans les prochaines semaines, il va y avoir des échanges de visites. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer des partenariats. Ce qui a été offert, par exemple, par Smart Capital, c'est d'héberger des startups sénégalaises en Tunisie pour les aider dans leur phase d'incubation et d'accélération. Et on voudrait proposer aussi la même chose pour les startups ivoiriennes. Donc, l'idée, ce n'est pas de venir vendre des produits ou des solutions tunisiennes, mais c'est vraiment de développer un partenariat à différents niveaux. Un partenariat gagnant-gagnant, une coopération sud-sud et un partenariat gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, M. Gadas. On va à présent donner la parole à M. Yves Kalou du journal Le Patriote, le journal ivoirien Le Patriote. M. Yves Kalou, vous avez la parole. Votre micro est coupé, M. Kalou. Allô? Oui, je vous entends. Allô, bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour. Je suis Kalou du quotidien Le Patriote. J'aimerais juste savoir, vous pouvez me donner quelques solutions développées par la Tunisie en matière de technologie agricole. Très bien. Merci. Très bien. Je vais vous les présenter rapidement, mais dans le dossier de presse et qu'on va vous envoyer à la fin de la conférence de presse, vous allez trouver beaucoup plus de détails. Donc, les 6 entreprises qui vont venir, donc nous avons 2 entreprises qui sont dans ce qu'on appelle l'irrigation intelligente, c'est-à-dire, juste pour simplifier, c'est des systèmes où on place des capteurs dans le sol qui mesurent l'humidité, la température et différents paramètres et qui envoient l'information au cloud. Et des calculs sont faits pour mesurer les besoins de la plante et donner l'ordre d'irriguer ou d'arrêter l'irrigation. Avec ce type de système, on arrive à économiser entre 40 et 50% de l'eau d'irrigation et d'augmenter les rendements de 25 à 30%. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, mieux gérer les ressources, optimiser l'utilisation des ressources. Donc, il y a des petites différences technologiques entre les deux solutions qui sont proposées. Une vise plus les très petits producteurs et une vise plus les grandes exploitations commerciales. On a une entreprise qui est qui a une solution pour la gestion de la chaîne de froid. Donc, pour ceux qui ont des entrepôts frigorifiques ou des camions réfrigérés, c'est un système qui permet de faire des économies d'énergie, des économies dans l'exploitation de ces chambres froides ou de ces camions réfrigérés, et qui permettent de garantir une traçabilité complète, de savoir d'avoir des alertes quand il y a des coupures de courant ou des pannes, etc. Nous avons une entreprise qui a développé un ERP pour la gestion des exploitations agricoles.
c'est un système logiciel disons, qui permet de piloter en temps réel l'exploitation, de savoir exactement de gérer les consommations des intrants, de calculer les prix de revient au kilo ou à la parcelle, vraiment de savoir la situation en temps réel et d'intervenir avant que la situation n'échappe à tout contrôle. Donc, en fait, c'est comme diriger une entreprise industrielle, mais là, c'est un logiciel, enfin, un ERP vraiment spécifique à l'exploitation agricole. Nous avons aussi une autre entreprise qui a un ERP qui s'adresse beaucoup plus aux agro-industries, qui permet de gérer les relations entre la grande entreprise industrielle et les milliers de petits producteurs sous contrat, depuis la gestion des avances, des intrants, le suivi des parcelles, la réception des produits, le poids, etc., jusqu'à l'exportation et la gestion du transport par conteneur vers le client final. Et la dernière entreprise, c'est une entreprise qui est dans le domaine des drones. Ce qu'elle propose, en fait, c'est des formations certifiées et qualifiantes de pilotes de drones. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelques entreprises qui offrent des services de drones, mais là, c'est la seule entreprise en Afrique qui a une certification pour la formation des pilotes de drones. Et donc, elle va chercher des partenariats avec les entreprises qui travaillent dans le domaine des services avec liés à l'utilisation des drones. Et puis, elle a une expertise vraiment très unique, on va dire, en Afrique, pour les gens qui veulent commencer à offrir des services de drones, pour vraiment les aider à bien calibrer leur projet, à choisir les bons modèles de drones, à utiliser les bons capteurs, etc. Donc, il y a vraiment une expertise et ils sont là pour transmettre leur savoir-faire. Donc, ça, c'est les 6 entreprises qui feront partie de la délégation tunisienne qui viendra au mois de novembre. Monsieur Cissé. Allô? Allô? On est là, on vous entend. Allô? Je vous entends. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Excusez-moi, en fait, il y a des journalistes qui continuent à m'appeler pour... qui ont des difficultés à se connecter. Alors que là, on est pratiquement à... Alors, je vous dis que cette conférence de presse est enregistrée et à la fin de la conférence de presse, on va vous envoyer aussi le lien de l'enregistrement. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister à l'ensemble de la conférence de presse ou qui ont manqué des parties, donc vous pourrez revoir calmement ce qui se sera dit jusqu'à la fin de cette conférence de presse. Donc, les personnes qui malheureusement n'ont pas pu nous joindre, on leur enverra le lien, elles pourront suivre en ligne. Merci beaucoup, M. Gadas. Vous pouvez profiter de l'occasion pour nous envoyer vos mails directement dans le champ de discussion qui est réservé à cet effet, sur Zoom. Pour envoyer Merci quoi, pardon beaucoup. Pour envoyer quoi Pour envoyer l'adresse email. Ah, ok, les d'accord. Les journalistes peuvent envoyer dans le centre de discussion oui, qui est ouvert présentement sur Zoom. Voilà. Donc chacun des journalistes est prié de laisser son adresse email, comme ça on pourra lui envoyer toute la documentation et les liens après la conférence de presse. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Il peut directement prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est André Topon du Bénin. Bonjour. Merci. Bonjour, bienvenue. Ouais, je suis le promoteur du média AgraTime, qui est spécialisé en agriculture. Bon, j'ai suivi de bout en bout l'intervention du conférencier, M. Walid. Et je voudrais savoir, la semaine qui va se dérouler à Abidjan, quelle est la part que vous attendez
des médias que nous sommes dans cette activité? Parce qu'il y a la conférence de presse 7, nous allons peut-être annoncer l'événement, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de nous au cours de cette semaine? Alors, pour nous, cette semaine, c'est aussi l'occasion de parler de digitalisation de l'agriculture, et pas uniquement pour la Côte d'Ivoire, vraiment pour l'ensemble des pays de la sous-région. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, beaucoup d'agriculteurs ne savent pas que ces solutions existent aujourd'hui et que ce n'est pas des investissements très lourds. Parce que bon, certaines des entreprises qui vont venir, leurs solutions, ils ne les vendent pas. C'est des abonnements qui sont payés. C'est des quelques dizaines d'euros par mois. Et c'est vraiment rien du tout par rapport aux bienfaits que ça apporte. Donc, pour nous, le plus important, c'est que les médias parlent de digitalisation de l'agriculture et de dire que nous vivons aujourd'hui une véritable révolution dans le monde, qui est la révolution digitale dans l'agriculture. Donc, malheureusement, l'Afrique a manqué des révolutions précédentes, de la mécanisation, etc. Mais aujourd'hui, elle a la possibilité de prendre le train en marche et d'utiliser ces technologies pour vraiment aider les agriculteurs à améliorer leur niveau de vie. Je vous donne juste quelques chiffres. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 30 millions d'agriculteurs qui sont connectés ou qui utilisent des solutions de l'agritech. On prévoit que d'ici quelques années, ces 30 millions vont devenir 200 millions. Donc, il est vraiment très important que les agriculteurs africains ne soient pas exclus de cette révolution, d'autant plus qu'elle ne demande pas d'énormes investissements. Donc, il faut vraiment, plus on parlera de ça, plus l'information parviendra aux agriculteurs qui se diront, au lieu d'utiliser mon smartphone pour naviguer sur Facebook ou sur Instagram et entre guillemets perdre mon temps, je peux utiliser mon smartphone pour développer mon activité, pour avoir des informations sur les marchés, pour vendre mon produit, pour savoir quel type de maladie j'ai sur mes plantes, pour louer un tracteur, pour vraiment beaucoup de choses qui sont développés aujourd'hui et qui existent et qui sont à la disposition des agriculteurs africains. Donc, il est vraiment très important que vous preniez conscience de votre rôle pour faire parvenir ce message à l'agriculteur et aux responsables du secteur agricole, responsables publics ou des organisations professionnelles ou du secteur privé. Donc, voilà ce que nous espérons avoir de votre part maintenant, après cette conférence de presse, mais aussi durant toute la période entre maintenant et la semaine de l'agritech tunisienne en Côte d'Ivoire. Monsieur Mabéa? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Je vous entends? Oui, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Walid. Oui, merci. Moi, j'ai une préoccupation. Vous parlez de plus de 200 000 producteurs en 2030 qui doivent bénéficier de vos techniques de l'agritech. Mais l'inquiétude ici, c'est que la majorité de ces agriculteurs sont analphabètes. C'est vrai qu'ils ont les... Pardon, monsieur Mabéa, est-ce que nous avons de renforcement de capacité en la matière? Vous pouvez répéter Merci. Votre question parce qu'on ne vous a pas bien entendu, c'était coupé. Vous ne m'avez pas bien entendu. Non. Je demande, est-ce que ces producteurs africains bénéficieront de renforcement de capacité? Voilà. D'accord. La question, on nous la pose systématiquement lorsque on intervient quelque part pour nous dire, bon, vous parlez de solutions technologiques très complexes, mais bon, nous, les agriculteurs, ils sont analphabètes et ils n'ont pas accès à l'électricité. Comment voulez-vous que ça marche? Mais je vous dis que ça marche parce que les solutions sont adaptées. Pour ceux qui sont analphabètes, il y a des, par exemple, pour les systèmes d'irrigation, je donne juste un exemple très simple. Pour les systèmes d'irrigation, au lieu de recevoir un email, on reçoit un message par SMS, un message vocal en langue locale, et la personne peut comprendre le message.
Pour les prix, c'est la même chose. Donc, pour les alertes météo, c'est la même chose. Donc, on peut être analphabète et ne pas avoir beaucoup de moyens financiers et ne pas avoir accès à l'électricité et utiliser ces technologies-là. Renforcement. Dans le cadre de notre projet, non, malheureusement, on n'a pas un programme de renforcement de capacité pour les produits producteurs. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va développer des partenariats avec les bailleurs de fonds. Et là, dans le cadre des projets financés par les bailleurs de fonds en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les autres pays, on a la possibilité de faire du renforcement de capacité pour leur expliquer que ces technologies-là ne sont pas complexes. Même si vous êtes analphabète, vous pouvez les utiliser. Allô, c'est bon pour Monsieur Mabéa? Allô, M. Babéa. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est merci. Bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a un autre confrère qui souhaite intervenir? Parce que là, il nous reste exactement 9 minutes avant la fin de cette rencontre qui est prévue durer une heure. Une autre question? Alors, avant la prochaine question, je voudrais vous inviter tous à visiter et à vous inscrire. Allô, M. Gadin. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je disais que avant de passer à la prochaine question, je voudrais inviter tous nos journalistes à nous suivre sur les pages des réseaux sociaux de manière à ce que vous soyez informés des événements que nous allons organiser avant la semaine de l'AgriTech, mais aussi durant la semaine de l'AgriTech. Donc, nous avons un partenaire, nous travaillons avec l'AgriDigital, l'entreprise spécialisée dans la digitalisation de l'agriculture au niveau médiatique, qui est notre partenaire média pour cet événement. Et donc, on vous invite donc à nous suivre, à visiter notre page web. Vous allez vraiment avoir des informations en temps réel sur ce que nous sommes en train de préparer. Donc, nous sommes présents sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube, en plus du site web. Donc là, ma collègue vient de mettre ses différentes adresses sur la discussion. Et dans le dossier de presse, vous allez aussi trouver des liens. Vous avez juste à cliquer sur ces liens. Est-ce que M. Krumman a une autre question ou il a oublié de baisser la main? Alors, je crois qu'il n'a plus de questions. Okay. Vous entendez? Très bien. M. Krumman a une question? Non, je n'ai pas de questions. Okay. Pas de question. Merci. Je suis satisfait des réponses. Merci. Allô, M. Gadin, vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est vraiment juste pour remercier l'ensemble des journalistes qui ont été présents à cette conférence de presse, pour vous remercier pour la qualité de vos questions. Et j'espère qu'on continuera au cours des prochaines semaines jusqu'au mois de novembre. Donc, si vous avez besoin de quelque information que ce soit, si vous avez besoin d'entrer en contact avec les entreprises qui vont participer, si vous avez besoin d'informations sur le secteur de l'agritech tunisienne, on est à votre disposition pour vous aider. Et merci à tous. Merci beaucoup. Mais si c'est, il faut faire la conclusion. Cissé, Monsieur Cissé, vous êtes là? Micro? Le micro est bon. Je suis là, c'est bon. On demande à ce que tu fasses la conclusion. Allô?
Oui, on vous entend. Allô. Là, j'ai été coupé un moment. Oui. Donc, on demande de conclure l'événement. Voilà. C'est mieux de conclure. Il faut conclure la réunion. D'accord. Là, on demande de faire la conclusion, oui. Merci à tous d'avoir pris part à notre conférence de presse virtuelle. Nous restons, bien entendu, à votre écoute. Éventuellement, si vous avez certaines préoccupations ou souhaitez avoir des informations supplémentaires concernant le projet AgriTech Tunisia, et notamment celle de la Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, nous allons mettre fin à la réunion. Juste déjà, vous rappelez que vous pouvez laisser vos adresses e-mail dans le champ de conversation afin qu'on puisse déjà les relever et vous envoyer les documents afférents pour que vous puissiez traiter au mieux vos différents papiers. Également, ajoutez que vous avez également la possibilité de vous allez recevoir un lien qui vous permettra, bien entendu, de télécharger l'intégralité de la conférence. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre tout le long de cette activité. Sur ce, je dis merci à tout le monde. Merci à M. Gadas pour son intervention. Merci aux confrères journalistes. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye. OK, merci également. Bon. D'accord.